tres campos: educación y salud y agricultura para desarrollar este país. On va travailler pratiquement dans trois champs: l'éducation, la santé et l'agriculture, pour qu'on puisse aider à développer le développement de ce pays. Entonces acabamos de firmar un acuerdo de 20 millones de dólares para construir escuelas en Arti Bonito. On a déjà signé un accord de près de 20 millions de dollars pour la construction d'écoles dans la zone de l'Artibonite. Y estamos tratando de traer inversiones japonesas para colaborar con ustedes. Et nous sommes dans une démarche d'attirer des investisseurs japonais pour pouvoir travailler et investir en Haïti. Pero este año todavía no sabemos exactamente, pero iremos en tres campos, de, sobre todo agricultura, para traducir más verduras y productos agrícolas. En fait, il n'y a pas encore une enveloppe définie, mais on sait qu'on s'orientera un peu plus dans l'agriculture, particulièrement la production de choses vertes, en fait, d'aliments verts au profit d'Haïti. Haïti, dans beaucoup de domaines, surtout dans le sud, où nous travaillons avec, surtout sur le champ de l'environnement durable, aussi dans la formation, et pour essayer en fait de développer le champ de travail, de job pour les jeunes dans le sud. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important aussi pour le gouvernement d'Haïti et dans lequel nous souhaitons appuyer. La Norvège travaille dans le parc Maya, je pense que c'est un domaine essentiel, c'est une tour d'eau, c'est vraiment vital pour la région et la Norvège travaille là-dedans avec beaucoup de projets différents et nous pensons aussi rester dans le sud.